total respect. Zéro limite. Radio libre. Radio libre. What the fuck? Tous les soirs dès 21h. Défoulez sur Skyrock. Défoulez sur Skyrock. Bel homme sur Thionville recherche une relation très coquine avec une femme fontaine ou un couple. Appelez-moi au 06 87 80. Très bien. Lui, on l'avait découvert ce matin. Ouais. Au petit déjeuner. Ouais. Hein, petite femme fontaine, sympa comme ça. Bon appétit, bien sûr. Est-ce que tu as de l'eau, Romano? Non. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, je vous appelais par rapport à la petite annonce. Oui? Oui, je suis avec mon mari, là. Oui? Nous sommes libertins et nous sommes d'accord pour faire une petite partie. Hein. Ouais, vous habitez où? On est sur Paris, nous. Ah ouais, j'habite à Thionville, en Moselle. Oh, c'est pas grave. On peut se déplacer, mon mari est routier. Ouais. Salut, bonjour, man. Bonjour. Bonjour. Je suis avec ma femme, Pamela. Ouais. Ça va? Ouais, ça va bien, ouais, dis-moi. C'est quoi ton prénom, toi? Tu t'appelles comment? Raphaël. Raphaël. Tu as quel âge? J'ai 42 ans. Et tu peux te décrire un petit peu, s'il te plaît? Bah, écoute, je fais 1m72, 68 kilos. Oui. Je suis d'origine italienne, donc j'ai les cheveux noirs. Vai. L'Italie, qui est? Comment? Tu es d'Italie. J'ai pas compris. Tu es d'Italie. Non, je suis d'origine italienne. Ah. L'Italie, qui est? Je suis d'origine italienne, hein. L'Italie, qui est? Eh, vai. Ouais. Tu es un bello ragazzo. Ah, ma femme a connu très bien l'Italien avant moi. Ah, d'accord. Oui, elle est sortie avec un Italien, ma chérie. Oui, oui, Rocco. Attends, excuse-moi, parce que j'ai cherché une serpillière, parce que là, l'autre est en train de tout mouiller. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? C'est dégueulasse. Ah. Regarde, il y a partout par terre. Je suis un peu excité, là. Ah, je crois que tu l'excites, hein. C'est vrai? Ah bah écoute, regarde la serpillière, tout ce qu'il y a dedans. Tu veux faire une fontaine? Ah oui. Ah bah oui, mais là, regarde. Oh, putain, en plus, j'adore. Ah ça, oui. Moi, j'ai des giclées et tout. C'est vrai? Oui. Oh putain, j'aimerais bien te voir gicler, toi. Ah bah écoute, je pourrais t'inonder, si tu veux. Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Ah, et toi, tu as un gros sexe? Non, normal. Oh. Ouais. Parce que mon mari a un très, très gros sexe. Oui. C'est vrai. On parlait des Italiens, on m'appelle Rocco. C'est vrai. Eh ouais, ouais. C'est un vénard, toi. Eh ben écoute, c'est surtout elle qui est une vénarde. Ah ça, je suis bien rempli. Eh oui. Ouais. Bon, ben alors, qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse tous les trois? Ben non, on peut faire tout ce que vous voulez, hein. Je suis ouvert à tout, moi. Très bien, très bien. Mais je suis pas bi, hein. Tu es célibataire? Non, je suis marié, moi. Ah d'accord, mais ta femme participe ou pas? Non, elle participe pas. Elle. Allez, pourquoi? Ben parce que c'est pas son truc, hein. Moi, c'est mon petit péché mignon à moi. Ah, c'est mignon. Elle est pas au courant, j'imagine. Non, elle est pas au courant, non. Ah, oui. On va peut-être se donner. Tu t'es pas décrite, ma chérie? Ah oui. Alors moi, je fais 1m70. Elle travaille dans la mode. Ouais. Et ouais. Oui, je fais 1m70. Ouais. J'ai les cheveux blonds d'un côté et bruns de l'autre. Avec une mèche rouge devant. En fait, elle a une raie, d'un côté c'est brun, de l'autre côté c'est blond. Oui, et rouge au milieu. Oui, et une espèce de crête, c'est comme un coq. J'ai un sein de 90B. Ça, c'est super. Ouais. Et l'autre de 95E. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est bien parce que ça change. Ah ouais. Et au niveau de la minette, je suis épilé au milieu, un peu long sur les côtés. Ouais. Et toi, tu es tout épilé, toi? Ouais, moi, je suis tout épilé, moi, ouais. À blanc. À blanc, ouais. Je pourrais te raser. Tu peux quoi? Te raser les jambes. Me raser les jambes? Oui. T'sais. Bah, pourquoi tu veux que je me rase les jambes? Bah, parce que si t'es tout épilé et que t'as des poils aux jambes, ça va pas. Ah ouais. Ouais, mais j'ai pas beaucoup, moi, les jambes, hein. Oui, mais ça excite mon mari. Oui, j'adore. C'est vrai? Oui. T'es bi, toi? Complètement. Ah ouais. Mais je veux dire, vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Moi, 29. 29, ouais. Et toi? J'ai 42, moi. Ah, ça se notre âge à tous les deux additionnés. Ça te dérange pas? Comment? Ça te dérange pas? De quoi? Notre âge. Non, pas du tout, non. Oh, attends. Voilà, pourquoi ça te dérangerait? Oh, bah, j'imagine bien, oui. Bah, alors, comment on Mais fait? T'as déjà fait souvent des plans à trois, toi, ou? Ouais, bah, j'ai déjà été. Je vais même dans des clubs libertins, des fois. Ah, comment on peut faire, alors? Bah, je sais pas, si vous passez dans le coin, là, vous pas. On te passe un coup de fil si on arrive dans le coin? Alors, en Lorraine. En Lorraine, ouais. Moi, j'habite à Thionville, en Moselle. Très bien, très bien. Mais toi, t'aimes bien faire des trucs au téléphone ou pas? Ouais, ça m'arrive, ouais. Oui, mais écoute, la limite, début de semaine prochaine, on peut se faire un petit plan sympa. Ouais, gardez mon numéro, vous m'appelez. Oui, on garde le numéro. Pas de problème. Et on se caressera un peu. Ouais, si tu veux, ouais. Ah, mais c'est très bien, ça. Et je veux dire, vous avez l'occasion de venir, vous, ici, dans le coin? Non, on se déplace un peu dans toute la France. Ah, mon mari est routier, là. Ah ouais, d'accord, ouais. Et je roule. Avec le camion? Oui. Ouais. Boîte de camion.
Moi, je peux vous recevoir. Ah, bah, très bien, moi, j'adore recevoir. Ça tombe bien. Alors, si c'est possible chez moi, Et ta femme ? Et ta femme, elle est où, elle ? Comment ? Ta femme. Tu la mets, tu la mets où ? Ben, si elle bosse ou quoi Ah, pendant qu'elle travaille, alors. Très bien, elle bosse, pendant ce temps, on prend un peu de détente. Elle ramène le pognon et toi, tu t'éclates. Ouais, autrement, je peux vous recevoir à l'hôtel aussi, y'a pas de problème. Ah, bon, très bien. Sinon, on fait ça dans le camion. Ouais, bah, on verra, on a une belle couchette dans le camion. Ouais, mais autrement, l'hôtel, c'est cool aussi, hein. Ah, la belle couchette, par contre, soit pas choqué, elle est un peu tachée, c'est à cause de ma femme, Ouais, d'accord, Oui, elle fait des taches partout, c'est dingue. Ouais, ça passe un gicle, ça. Ah, c'est terrible, on dirait un escargot. Ouais, bah c'est bien ça. Bah. On m'appelle la limace. La limace dans le Béli. La limace, ouais, j'aime bien les chattes qui mouillent. Ah, j'aime bien. Ouais. Moi, elle est très très baveuse. Bon, bah écoute, merci à toi. Ouais, bah écoutez, gardez mon numéro et puis. Bah on te garde, on te rappelle lundi, hein. C'est quoi déjà ton prénom, toi ? Raphaël, excuse-moi. Ouais. Bon, bah écoute, on te rappelle début de semaine. D'accord. Allez, bah bisous, mon Rafi. Bon, salut Raphaël. Bisous. Oh, bah, t'en as foutu partout. Ciao. Regarde, t'en as mis partout. Excuse-moi. Oh, tiens, prends ça. Oh, mais ça va pas. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, pardon, ça sort de tous les trous. Allô ? Oui ? Ah, t'es encore là. Bon, on se donne rendez-vous lundi alors, hein ? Ouais, d'accord. Eh ben, bisous, Raphaël. Bisous. Ciao, bon week-end. Hein, puis ciao. Bonne continuation. Ciao, ciao. Bon, on va bien s'éclater. Ah, hein. C'est clair. Je vais nettoyer un peu. Et après, c'est parti, ma chérie. On passe à l'attaque. Ouais. Moi, je vais chez ma maîtresse, là, maintenant. Ah, bah très bien, tu la salueras pour nous, alors. Et tu En plus, elle est femme fontaine aussi. Oh là là, t'as trop de chance, là. Prépare une grosse serpillière, là. Ouais, je vais la faire, elle gicle beaucoup aussi, là. D'accord. Salut. Bonne bourre. Bonne bourre. Ciao. Il est cool, hein, comme une malade. Hein. Ah, il adore ça, bah, ma femme, elle bosse. Moi, je suis chez ma maîtresse, là. C'est vrai que tu le connais pas, il dit qu'il va chez sa maîtresse, normal. Elle te raconte normal, sa vie. Non, mais il était sympa. Ouais, non, mais il est cool, lui. Ouais, sympa. Lui, on va le garder en stock. Ouais, il aime faire des trucs au téléphone. Quand on a envie de discuter un peu, bah, lui, on l'appellera, tu vois. Voilà, on tape la converse, tranquille. Ouais, tranquille. Bon, l'autre, puis c'est absolument rendu compte de rien. Les trucs au téléphone, ça le dérange pas. Oui, non, mais toi, les cheveux. Oh non, non. Brun d'un côté. Ah bah lui, je pense que j'ai rajouté du rouge au milieu là. Ouais. Brun d'un côté, blond de l'autre et du rouge au milieu.